Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Fifi, comme d'habitude. Bonjour. Alors aujourd'hui, bon, ma tête est pas trop top encore, mais bon, j'ai pas encore mal à la tête. On va toucher du singe, ça va arriver hein, dans la journée. Aujourd'hui, comme je vous disais sur ma vidéo d'hier, petit coloriage. Bon, j'avais pas tout fait parce qu'hier j'avais pas la forme du tout, du tout, du tout. Bon, là j'aurais. Oups, 1, 2, 3. Ça se bouscule à la sortie. Aujourd'hui, j'aurais pas le temps de le terminer puisque, comme je vous ai dit hier, aujourd'hui j'ai rendez-vous chez l'anesthésiste. Bon, pour ma prochaine opération, enfin prochaine, le 23 mars. L'opération de ma thyroïde, hein, vous savez, qui avait été reportée à cause que j'avais été positive. Voilà, donc en plus, je vais devoir refaire un test. Donc là, bon, normalement, je pense que ce sera bon. Je serai bonne pour le service cette fois-ci. Ouais, je retouche du singe. Donc oui, petit coloriage avec mon avant-dernier nouveau livre de coloriage, puisque hier je vous en ai présenté un nouveau. Tu peux ranger ta queue, merci. Donc c'est sur le livre, alors je l'ai marqué hein, parce que là, alors Nice Little Toon, Valentine's Day de Tatiana Boguema, oui. Donc, comme vous savez, j'en avais déjà un un livre d'elle que je vous avais présenté sur la dernière vidéo, sur la vidéo d'avant que je vous avais fait. Je vous remettrai le lien ici, quelque part, où je vous présentais ce livre. Bon, t'arrêtes de tourner en rond comme ça. Je sais que tu veux des câlins, des câlins, des câlins, des câlins, des câlins, des câlins. Elle veut toujours des câlins. Mais elle a une grande queue. Donc, là, j'ai commencé donc ce colo. Et je l'ai commencé avec les Brut Funer 520. Ça y est. Je les ai attaqués. Bon, ils sont nickels. Hein, ils vont bien. Ça y est, t'as fini. Donc, j'ai pas de problème hein, avec eux. Bon, là, pour l'instant, j'ai commencé à colorier avec ma première trousse. Donc, le reste, parce que je peux pas sortir les deux trousses en même temps parce qu'elles sont énormes. J'ai pas de place sur le bureau. Donc, là, j'ai commencé à colorier avec ma première trousse. Là, la fois prochaine, je vais continuer à colorier certainement avec la deuxième trousse. Parce que je ne peux pas ouvrir mes deux trousses en même temps. Ou alors, il faut que je me mette sur ma table de salle à manger pour dire d'avoir de la place. Sinon, ouais, ils vont très bien. Ils sont bien pigmentés. Et puis, au niveau du mélange, j'ai pas de problème. Voilà. Il faudra que j'essaye, mais ça, j'essaierai sur un autre colo. Avec l'essence. L'essence sans odeur. Mais ça, bon, je vous redirai un petit peu à la fois que je ferai mes colos, ce que j'en pense. Voilà. Je ferai peut-être à l'essence sur le livre que je vous ai présenté hier de Disney. Je verrai. Comme là, les pages sont plus épaisses, je ferai peut-être de l'essence dessus. Bon, t'as fini. Et grosse mémère. Chouchou, il n'aime pas, je l'appelle grosse mémère. Il dit non, elle n'est pas grosse. C'est vrai, elle n'est pas grosse. Là, je vais bientôt faire du scrap avec tous mes petits poilus actuels et anciens. Parce que j'avais une promo avec l'application Free Print. J'avais le droit à 45 photos gratuites. J'avais juste les frais de port à payer. Bon, les frais de port étaient de 4 euros, donc ça allait. Et du coup, j'ai fait hier soir, il fallait que je le fasse avant minuit, ça faisait plusieurs jours que j'avais déjà la promo, il fallait que je le fasse avant minuit, avant de ne plus avoir la promo.
Donc, j'ai fait développer plusieurs photos de bah, 45 photos. Donc, dedans, il y a Fifi, il y a Pacha, il y a Jerry, il y a Tango, mon bichon que j'ai perdu il y a 3 ans. Il y a Eros, mon berger allemand qu'on avait il y a quelques années. Et il y a Betsy. Alors, Betsy, vous n'en avez jamais entendu parler, mais c'est un chat qu'on avait il y a une dizaine d'années quand on était dans le Midi. Alors, je n'abandonne jamais mes animaux. De toute façon, vous le voyez, je ne les abandonne jamais. Mais elle, malheureusement, j'ai dû la donner à une autre famille par le biais de la SPA. Il y a une dame qui est arrivée en même temps que moi et qui l'a pris tout de suite. J'étais contente parce que je n'aurais pas voulu qu'elle reste à la SPA. Elle était superbe. Mais elle me faisait des dégâts. Mais des dégâts. Elle m'arrachait tous mes rideaux. Et on habitait au 5e étage. Je crois que je manquais de faire une crise cardiaque tous les jours. Elle voulait sauter à chaque fois. Du 5e étage, elle se mettait sur les barrières du balcon, puis elle marchait sur la barrière du 5e. Elle passait, mais alors il n'y avait plus que les pattes arrière qui étaient sur le balcon, tout le reste du corps était dans le vide. J'ai dit non. Donc c'est une dame qui avait une maison et qui l'a pris. Et j'ai dit, ouais, elle sera mieux dans une maison. Et pourtant, je vous dis, hein, j'abandonne jamais mes animaux. Hein. Et j'ai pleuré hein, quand elle est partie. Mais là, je ne pouvais vraiment pas. Elle aurait fini par se tuer. Et là, ça aurait encore été pire. Ça aurait été pire. Donc, j'ai fait développer deux, trois photos d'elle. Donc, je ferai une page sur Betsy. Dans mon album des toutous. Voilà, celui-là, vous vous rappelez, c'est celui-là que je fais sur mes animaux. Donc, elle aura sa place dans cet album. Voilà. Elle était toute belle, hein, toute tigrée, vous savez, les chats européens. Mais non. À chaque fois, on était là, on restait près de la baie vitrée. Et puis elle a été sur le balcon, et puis on l'appelait, on n'osait même pas avancer parce qu'on avait peur qu'elle saute. Ah ouais, non, elle nous a fait des frousses. Mais je vous jure, il n'y avait que les pattes arrière sur le balcon et tout le reste était dans le vide, là, au 5e étage. J'en pouvais plus. Puis elle sautait sur les rideaux, on avait les oiseaux, comme maintenant, hein. Elle sautait sur les oiseaux, elle sautait sur l'aquarium, elle. Mais elle n'était pas méchante, hein. C'était pour jouer hein, qu'elle faisait ça. Mais on n'a jamais réussi à l'empêcher de faire ça. Donc là, la dame qui l'a pris, elle n'avait pas d'autres animaux chez elle, elle était en maison. On a eu des nouvelles pendant un petit moment avec cette dame. Et puis là, elle était calme, elle avait un petit jardin, elle allait dans le jardin et tout. Donc c'est ce qu'il lui fallait. Et nous, on ne pouvait pas lui amener ça, puisque en appartement, ben alors, c'est parce qu'en appartement, elle ne se plaisait pas. Voilà. Mais bon, ça arrive hein, des fois. Il vaut mieux les savoir dans une bonne famille que les savoir malheureux et puis qu'ils fassent des bêtises. Et puis là, elle aurait fini par se tuer en jetant du balcon. Donc voilà. Bon, c'était pas à l'ordre du jour, hein, puisqu'on parlait coloriage. Mais je voulais vous dire, du coup, je vous mettrai le lien de cette application pour avoir des photos. Je sais pas si j'ai pas un truc de parrainage. Je regarderai. Et si j'ai un code de parrainage, je vous le rajouterai en barre d'infos. Pour que vous puissiez bah, aller faire développer les photos. Et en plus, c'est vraiment pas cher et les photos sont nickel. Hein. J'ai jamais de problème avec eux. Je fais toujours développer là.
Avant, je faisais sur une autre application, photo, je ne sais plus quoi. C'était bien aussi. Mais là, bon, depuis le temps que je suis là, il y a beaucoup de gratuits. Donc, du coup, je vais là. Bon. Donc, aujourd'hui, vous allez voir mon coloriage. Le début du coloriage. Donc, j'ai Valentine Days. Donc, sur la Saint-Valentin, les petites souris qui font la Saint-Valentin. Et vous verrez la suite, donc, de cette semaine. Je reprendrai la suite, je pense, après-demain, enfin dans la semaine, vous l'aurez. Vous aurez la suite et la fin de ce colo. Bifi et moi, on va vous faire un gros bisou. On va vous souhaiter une très bonne journée. Voilà. Moi, je vais aller passer mon après-midi à l'hôpital. Bon, ça va aller vite normalement. La visite chez l'anesthésiste. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un bon visionnage pour la suite. À bientôt. Bisous, bisous.
Thank you.